Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait 2 mois, le retour du sac à poussière. Et alors, il est lourd cette fois-ci, mais je ne sais pas que... D'habitude, je finis pas autant de trucs en 2 mois, mais alors là, c'est juste... Mais donc, la batterie est pleine. Asseyez-vous, faites-vous 3 litres de thé, c'est parti. Il y en a. Hein. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Je prends dans l'ordre où ça vient. Celui-là, je l'ai fini hier soir. La crème jeunesse des menthes Clarins. Très agréable à utiliser. Odeur délicieuse. Vraie odeur de crème. Vraiment. Ouais, pour moi, ça sent vraiment la crème, quoi. Très agréable. Est-ce que j'en réutiliserai? Enfin, c'est toujours la question. Est-ce que je réutiliserai? Je pense pas. Pas assez riche par rapport à la... J'ai repris une... je l'ai fini avant-hier, pardon. Mais j'ai repris hier soir un tube de crème au chanvre Body Shop. Ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir, mais un point. C'est-à-dire que le matin en me réveillant, j'ai encore les mains souples et je sens encore un peu de crème dessus, quoi. Bon, ok, j'en mets beaucoup, mais là, j'en mettais des tonnes. Vraiment, nutrition, mais rien à voir. Et notamment sur les cuticules, je vois vraiment une différence. Celle-ci, même en massant bien, j'avais les cuticules un peu moches. C'est pour ça que je m'étais mise à mettre de l'huile à un moment. Alors qu'avec la crème au chanvre, ça suffit, c'est hyper nourrissant. Voilà, donc personne n'a encore réussi à détrôner la crème au chanvre. Donc ça, très agréable, hein, vraiment très bien. Juste, peut-être plutôt une crème de journée en fait, plutôt qu'une crème du soir. Sauf que moi en journée, je ne mets pas de crème parce que ça me saoule. Donc bon, bah voilà. Mais voilà, très agréable, mais moins bien que la crème au chanvre. Et donc, ici, le gel nettoyant sur gras au cold cream d'Aven, que j'avais dans ma douche ou sur mon lavabo? Sur mon lavabo, pour me laver les mains. C'est un grand classique chez moi. Je suis toujours à la recherche de... Enfin, pas à la recherche, enfin, oui, si, enfin, bon, bref, j'en ai déjà trouvé beaucoup. Des savons liquides qui dessèchent pas les mains. Et ça, dans la mesure où, justement, je crois que c'est pas du savon. Enfin, c'est pour les peaux sensibles, sèches et très sèches. Enfin, c'est la gamme au cold cream d'Aven, quoi. Donc, pour se laver les mains, c'est vachement bien. C'est un flacon de 400 ml. Sur le bord d'un lavabo, c'est vachement pratique. Flacon de pompe et tout. Donc, voilà. C'est un grand classique chez moi d'utiliser ça en savon. Donc, j'en ai toujours 40 en... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'en ai toujours 40 en backup dans mon placard. Et ça, je continuerai à utiliser ça pour ça ou pour la douche. Les deux, c'est top. J'ai fini mon nettoyant Yves Lhomme. Regardez. Bah, c'était... Oh, mon Dieu, comme ça sent bon. C'est-à-dire, donc c'est ce que j'utilise pour me nettoyer le visage après l'avoir démaquillé à l'huile si je suis maquillée, ou pour juste le nettoyer seul si je ne suis pas maquillée. C'est-à-dire qu'en fait, le retour du double nettoyage, le retour du double nettoyage, vous croyez être à l'abri, moi aussi je croyais être à l'abri, en fait pas du tout. J'ai pris l'habitude cet été en portant un écran solaire sous mon maquillage, ou un écran solaire, ou 40 couches d'écran solaire réappliquées pendant les vacances, j'ai pris l'habitude de faire un double nettoyage. Alors en vacances, Non, en vacances, j'avais le beurre démaquillant à la camomille de Body Shop et j'avais ça après. Et là, j'ai mon huile Boschia et j'ai ça après. Et si j'ai juste, si je suis pas maquillée du tout, une journée où je suis allée juste au sport et j'ai pas eu de rendez-vous, je suis pas maquillée, je me nettoie avec ça. J'ai pris l'habitude. Ça y est. Alors peut-être que l'hiver, quand il fera moins 40, on est bien parti pour avoir du moins 40 l'hiver. Tiens, réchauffement climatique en ce moment, c'est pas du pipeau. Néanmoins, je trouve ça très agréable. Donc je me suis habituée, ma peau n'a pas pété les plombs, elle n'est pas plus sèche, elle n'est pas plus... Bon, elle n'est plus rien, hein, cela dit, elle n'est ni plus jolie, ni moins jolie, ni plus... Enfin, ça fait aucune différence dans aucun sens, mais moi j'adore. Voilà, donc de tous les côtés, je rajoute des étapes à ma routine de soins, comme ça. Donc je l'ai fini. Je crois que c'est mon préféré, sur la terre entière. Sachant que j'en ai essayé 3, donc tout de suite ça va loin. Et c'est pas celui que j'utilise en ce moment, parce que vous l'avez vu dans mon dernier sur mon lavabo, c'est ce... En ce moment, j'ai ouvert celui de... Enfin, je l'avais déjà essayé, mais bref. J'ai mis sur mon lavabo, wouhou, celui d'Herborian, qui est super agréable aussi, mais je préfère quand même celui-là. Et celui-là, j'en ai 2 petits pots, parce que ça, c'est un 100 ml. Et quand il y avait des soldes sur The Beautist, vous m'aviez prévenu, et du coup, j'avais acheté 2 pots de 50 ml. Parce que pour partir au week-end, tout ça, plus petite taille, machin, voilà. Donc évidemment que je le réutiliserai, je l'aime trop. Ensuite, j'ai fini aussi ma crème Nourish de Kate Somerville, que j'avais achetée à Montréal, et je n'ai pas la moindre idée de combien de temps elle m'a fait, mais je dirais, c'est ce que j'utilisais le matin en... Je l'ai fini il y a très peu de temps aussi. Ce que j'utilisais le matin en crème de jour, crème hydratante, très agréable, marrant avec le petit truc, on appuie ici,
Et pouf, il y a de la crème qui sort au milieu, il y a la juste dose qui sort pour visage, cou, décolleté. Au début, j'ai eu un peu de mal à m'y faire au début, je sais pas, je l'ai trouvé un peu bizarre, et en fait je la rapprocherais, je l'avais dit d'ailleurs dans le biais que j'ai fait sur votre meilleur votre hydratant d'été préféré, je la rapprocherais assez comme effet de l'Ultra Facial Cream de Kiehl's, parce que elle donne une impression d'être toute fine et toute légère, et on se dit ça ne servira à rien, et en fait elle hydrate super bien, et en plus elle a une odeur hyper agréable. Moi je trouve que ça sent la lavande, si ça se trouve je me plante complètement, enfin quand même la lavande c'est quand même une odeur assez facile à reconnaître, donc je ne pense pas me planter complètement, hyper agréable, donc je la réutiliserai si je retourne en Amérique du Nord et que j'en achète. Non c'est bon, celles qui sont en Amérique du Nord, ce n'est pas la peine de m'en envoyer, de me proposer de m'en envoyer, tout va bien, mon placard magique est très bien garni, ça va me permettre d'essayer d'autres trucs, il n'y a pas de problème, mais vraiment je l'ai trouvé très agréable. Donc les gens qui en disent du bien ont raison, pas vendu en France. Je sais plus où on la trouve. Je revérifierai. Il y a peut-être moyen de la trouver sur Filionic ou ce genre de truc. Non, je crois pas. Enfin bon, bref, je revérifierai, je vous dirai. J'ai fini une lotion apaisante physiologique de La Roche-Posay, sachant qu'on avait découvert qu'en fait c'était un nettoyant et que du coup on s'était dit on l'aime pas, on nous a trompé, machin, je sais pas quoi. On croyait que c'était juste de la lotion comme de l'eau, mais en fait non, c'est un vrai nettoyant. Et finalement, j'ai trouvé que c'était bien pratique le matin pour donner un coup de frais quand il fait vraiment chaud et qu'on a envie un peu de se nettoyer le visage le matin. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et en plus, comme j'adore l'odeur, et ben je l'ai fini comme ça, voilà, sur un coton le matin, au saut du lit pour me rafraîchir un peu le visage. Et il est fort possible, je commence à me faire attaquer par la poussière, c'est de la poussière collante en plus cette fois-ci, c'est sympa, ça change. Il est fort possible que j'en rachète parce que je l'aime vraiment bien. Donc comme lotion du matin, bien possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une bombe d'eau de raisin de Caudalie, donc c'est une bombe d'eau. Qu'est-ce que ça dit? Raisin bio, gna gna gna, apaise, rafraîchit et hydrate la peau à tout moment de la journée. Inutile de tamponner après utilisation. Donc c'est un genre de... C'est pas de l'eau thermale, hein. Si c'était de l'eau thermale, ce serait répertorié eau thermale. Mais c'est de l'eau qu'on utilise comme ce que je fais d'habitude avec l'eau d'Aven. C'est-à-dire pour se rafraîchir, soit pour se passer un coup de enlever le calcaire après la douche, passer un coup de frais ou dans la journée pour se rafraîchir. En revanche, hydrate, moi je continue à penser que si c'était aussi facile que ça d'hydrater la peau, qu'il suffisait de mettre de l'eau dessus, et ben on n'aurait pas besoin de s'embêter avec des crèmes, enfin je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue. Par ailleurs, ça sent, hein, ça a une odeur caudalie, donc un peu sucrée, donc moi c'est pas mon truc. Donc elle est très agréable, mais je ne la réutiliserai pas parce que, voilà, pas d'intérêt particulier, puis ouais, ça sent un peu le côté parfumé, c'est peut-être pour une bombe d'eau comme ça, c'est pas tellement mon truc. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai enfin fini. En réalité, je l'ai pas complètement fini. Mon baume lèvres Uriage. En fait, j'ai découvert qu'il était de la gamme Bariéderm, comme la crème Bariéderm, qui reste, en fait, j'en ai découvert deux autres depuis, il faudrait que je vous fasse un article dessus, qui reste mon baume en tube, comme ça, préféré, qui est vraiment génialissime. Et il est pas complètement fini, mais je crois que ça fait un an que je l'ai dans mon sac, et il commence à sentir un peu le rance. C'est-à-dire que... Ouais, il commence à... Bon, il a un peu vécu, quoi. Il en reste pas beaucoup, hein, cela dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Dans la bureau, il n'y a pas d'eau. Je pense pas qu'il y ait d'eau. Il n'y a pas besoin de conservateur, mais c'est vrai que le gras, ça peut s'oxyder, et du coup, ça peut rancir un peu au bout d'un moment, quand ça fait très longtemps qu'on l'utilise. Et du coup, c'est pas mauvais pour autant, simplement, ça sent moins bon, c'est moins agréable. Et puis bon, voilà, j'avais envie d'essayer d'autres trucs, il y en a presque plus, c'est bon, j'ai le droit de le jeter. Mais il est fabuleux, c'est vraiment un baume de sac, vraiment fabuleux. Uriage, we love you. Donc est-ce que j'en réutiliserai? Oui, mais d'abord j'en ai essayé d'autres. J'en avais ressorti, hein, parce que j'en avais en backup, hein, bien sûr. J'avais ressorti, puis je me suis dit, fais quelques essais d'autres trucs avant quand même, plutôt que d'utiliser 3 ans de suite le même machin. Voilà, mais je le réutiliserai, c'est sûr. Ici, je vous en ai déjà parlé, le soin après soleil réparateur de Clarins, que j'utilisais en fait en crème de nuit pendant mes vacances, et un peu sur le corps quand j'en ressentais le besoin, parce que j'avais filé la même chose pour le corps à ma soeur, donc j'avais plus que ça pour mon corps, et c'est tellement agréable. Alors c'est pas très hydratant, moi j'avais tendance à en mettre genre 2 ou 3 couches s'il fallait, pourtant je m'expose pas au soleil, hein, donc c'est pas que ma peau avait besoin, parce qu'elle était complètement desséchée par le soleil, mais malgré tout le fait d'être tout le temps à vélo, le vent, le sable, machin, je sais pas quoi. L'odeur est divine, absolument divine, et voilà, et alors la version corps, mais je vous raconte même pas quoi, c'est hyper onctueux, hyper nourrissant, extraordinaire. Est-ce que je réutiliserai?
plutôt la version corps. Parce qu'en fait, la version corps fait visage et corps, en réalité. Et ça, c'était pas complètement assez hydratant pour moi. Apaise, réhydrate, prolonge le bronzage. J'en sais rien. Réhydrate, ouais, bah faut en mettre quand même. Mais vraiment super agréable. Par contre, si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud et où que vous avez la peau un peu grasse, ça vous brille pas du tout, vous avez aucune sensation sur la peau, vous avez pas du tout l'impression de vous plaquer des tonnes d'après-soleil et tout, c'est complètement imperceptible. Donc, très très bon produit. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah voilà. 3 tubes de crème solaire Avène touchée sec. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé en 13 jours de vacances, sachant que je n'ai pas utilisé que ça. Et sachant que donc, je ne m'expose pas, hein. Je ne vais pas me faire bronzer à la plage à 14h. Cette poussière colle, c'est épouvantable. Mais voilà, j'en mettais le matin avant de prendre mon vélo. Je sais ce que j'utilisais notamment beaucoup pour le visage. Quand je ne me baignais pas, je mettais ça. Quand je me baignais, je mettais le Wet Force de Shiseido, mais je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous montrer là. J'adore ce produit, c'est mon émulsion, gna gna gna. Oui, donc bah, ils ont pas, il y a un ancien packaging, un nouveau packaging, il y en a un avec le voilà, mais c'est la même chose. C'est l'émulsion touchée sec, qui est moins touchée sec que le Wet Force de Shiseido, mais qui reste quand même un truc pas trop, voilà, c'est pas du solaire pour enfants quoi, c'est pas complètement gras et collant et épouvantable. Donc voilà, mes 3 petits tubes, est-ce que j'en réutiliserai? Bien sûr! What else? Ensuite, j'ai ici une bombe de Avène. Est-ce que j'ai d'autres bombes? Je vais faire une petite recherche de bombes, j'ai pas l'impression. Bon, écoutez, si jamais j'en trouve une autre, je vous le dirai. J'ai ici une toute petite bombe d'eau thermale d'Avène, voilà, que j'ai finie en parallèle de celle-ci, quoi, hein, toujours dans le même cadre. Un petit coup après la douche, pour le rafraîchir, enlever le calcaire, avant de mettre les soins, ce genre de truc. Éventuellement si j'ai très chaud dans la journée, mais j'y pense pas toujours, mais ça marche bien, vous pouvez aussi la mettre au frigo pour que ce soit encore plus frais, etc. Le truc habituel. Est-ce que j'en réutiliserai? Pareil, what else? Évidemment, j'ai fini aussi, ça je vous en ai parlé dans mes produits, mes découvertes de vacances, j'ai fini le nettoyant visage au calendula de Kiehl's, que j'ai utilisé donc... Tiens-toi droite Hélène, tiens-toi droite, sinon tu vas avoir mal au dos. Que j'ai donc utilisé, comme je vous disais, comme nettoyant corps et cheveux. Et ça marchait très bien, et c'était hyper cool. C'est-à-dire, je me suis dit, qui peut le moins, un peu le plus, hein. Si c'est assez doux pour le corps, ce sera sûrement très bien pour le reste. Effectivement, c'est parfait, ça sent délicieusement bon. J'adore ce nettoyant pour son odeur. Sachant que moi, je ne l'utilise pas sur le visage, parce qu'il est moussant, donc je n'utilise pas de nettoyant moussant sur mon visage, parce que c'est un peu... ça dessèche, un peu. En plus, il est écrit pour peau normale à grasse, donc c'est pas moi. Mais voilà, il est super agréable, donc voilà, je vous en avais déjà parlé, donc ça j'ai fini en vacances. Oui, en fait, il y a tous les trucs que j'ai fini en vacances, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses. J'ai fini un pot de crème au chanvre pour les pieds de Body Shop, que j'adore. Ah, cette petite odeur de cave. Que j'adore vraiment, voilà. J'ai tendance à utiliser un peu n'importe quoi pour les pieds, c'est-à-dire souvent ma crème pour les mains, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec 40 produits différents, mais ça je l'avais, donc évidemment je l'ai utilisé dans ce cas-là. Ça y est, on commence à avoir de la poussière partout et on n'en est pas à la moitié du sac, les gars. 13 minutes, ça va, on a un bon rythme. Très agréable, j'aime beaucoup, de toute façon moi la gamme au chanvre, hein. Vous savez, ça fait des années, ça fait maintenant 3 ans que je l'utilise, exactement 3 ans, parce qu'on est en août, et je me souviens encore du jour où c'est Raphaël qui m'a fait découvrir la crème pour les mains au chanvre. Est-ce que j'en ai quelque part là-dedans? Peut-être quelque part, je ne sais pas. La crème pour les mains, on était une terrasse de café à Montmartre, et il en avait dans son sac un petit tube, et il m'a dit, mais tu connais pas cette crème, elle est complètement géniale, il me l'a fait essayer, et j'en ai acheté, et depuis 3 ans je ne l'ai plus lâchée, donc merci Raphaël. Voilà, et donc voilà, donc ça, oui, bien sûr, j'en réutiliserai quand ça me prendra l'envie d'avoir un truc, quand il me prendra l'envie, pardon, d'avoir un truc différent pour les pieds et les mains. Cela dit, je me demande si quand je l'utilisais pour les pieds, je l'utilisais pas aussi pour les mains. Justement, même produit pour tout, très bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Un sérum hydroplumping machin. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je me demande si je vous en ai pas déjà parlé dans ma dernière vidéo. Produit terminé, que j'utilise sur les mains, parce que sur le visage ça marche pas, sur moi, qui est donc un sérum très hydratant. Donc sur le visage, sur moi, zéro effet, et sur les mains, en revanche, comme j'avais déjà dit, c'est-à-dire j'ai genre mes mains ont l'air d'avoir 90 ans, j'en mets mes mains ont l'air d'avoir 30 ans. En revanche, si je les lave, elles ont à nouveau l'air d'avoir 90 ans, donc je sais pas
comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Enfin, toujours est-il que j'en mets beaucoup dans la journée. J'aime pas mettre de la crème pour les mains dans la journée, surtout quand il fait chaud. Mais je mets ça, c'est complètement impalpable. J'en mets une pompe sur le dos de la main. Je fais ça et hop, voilà. C'est hydraté, c'est souple, c'est lisse, c'est joli. Et voilà, je m'en sers comme ça. Et j'en ai aussi d'ailleurs dans mon sac. Qu'est-ce que j'en ai ? Est-ce que j'en ai un petit... There. There, there, there. J'en ai deux là. Du coup, j'ai les échantillons. Vous voyez, les échantillons que je mets dans mon sac et qui me servent de crème pour les mains de sac. Parce que quand j'ai envie de me mettre de la crème pour les mains dans la journée, c'est pareil, j'ai pas envie que ce soit gras, machin, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai ça, j'en ai toujours un petit dans mon sac. Et hop, hyper facile, très pratique. Donc pour cet usage, je recommande, je continuerai à l'utiliser. Pour moi, pas pour le visage, mais pour les mains, très bien. There. J'ai fini, oh mon dieu, là on arrive vers des produits qui sont là depuis un certain temps, donc ça, on arrive vers le fond du sac, c'est de plus en plus poussiéreux. J'ai fini une future solution LX nuit de Shiseido. C'est donc la gamme luxe pour peau mature de Shiseido. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Ça y est. Voilà, ça fait un moment que je l'ai fini celle-ci, bien raclée. Hein. Allez, des crèmes de luxe, on les racle bien. Ça fait un moment que je l'ai fini parce que c'était, je l'ai utilisé genre, c'est un peu cet hiver quoi. Bah non, enfin je l'ai fini. Je l'ai forcément fini, enfin je fais des trucs terminés tous les deux mois, parce que sinon il y en a trop. Bah ça veut dire que je l'ai fini depuis les derniers deux mois quoi. Très agréable, crème, voilà, très Shiseido. Extrait produit vraiment très très Shiseido, odeur très sophistiquée, crème très, très satinée, etc. Très agréable, peut-être un poil trop sophistiqué pour moi. Il y a, je sais pas, c'est mon côté j'aime bien découvrir des trucs différents, parfois je préfère des trucs un peu comme ça. Mais évidemment, c'est un produit magnifique, camélia doré à leur fin, machin, tout ça. Très très beau produit. Est-ce que j'en réutiliserai ? Oh, bah, si on m'en donne, moi je crache jamais dessus, non, enfin j'irai pas l'acheter, quoi, ça c'est sûr. Ensuite, chez Shiseido aussi, j'ai fini, tiens, on va faire les deux à la suite. Le sérum concentré anti-tache, ou le concentré intensif anti-tache. Bon, bref, c'est un sérum anti-tache, parce que je me suis dit, je vais m'attaquer à mes taches. Au moins, pas forcément pour les taches, mais au moins pour la clarté du teint, parce que c'est ce qui me préoccupe le plus. Comme je me trouve toujours le teint hyper terne, etc. Donc, j'ai utilisé ça, il m'a fait combien de temps? J'en ai utilisé matin et soir, pendant... Je l'utilisais pendant mes vacances, il a dû me faire un bon mois. J'ai pas vu de différence notable, mais les produits contre les taches, c'est... il faut 6 mois d'utilisation intensive. En plus, malgré tout, pendant ce temps, j'avais beau pas m'exposer et faire très 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 attention... Il me protégeait à mort, j'étais au soleil, donc c'est pas possible, on peut pas traiter les taches quand on est en même temps au soleil, ça tient pas debout, ça peut pas marcher. Mais j'ai pas été convaincue, donc là aujourd'hui je dirais que je le réutiliserai pas. Maintenant, peut-être qu'en 6 mois ça aurait marché, ça, et peut-être que sur quelqu'un d'autre ça aurait marché, et sûrement que si j'avais pas été en vacances avec beau temps, ça aurait mieux marché, enfin, il y a plein de circonstances, hein, toujours, donc... Mais bon, voilà, je suis pas plus emballée que ça. Cela dit, le produit est très agréable à utiliser, bien sûr. Je l'utilisais matin et soir. Et celui que j'ai fini hier soir, c'est le Mission Perfection de Clarins, qui est son dernier nez, qui est aussi un anti-tache lumière uniformité du teint. Il m'a fait 3 semaines, sachant quand même que j'en mets 4 pompes matin et soir, donc forcément ça descend vite à ce rythme-là. On n'est pas obligé d'en mettre 4 pompes, mais moi je fais toujours visage, cou et décolleté, donc forcément ça prend des pompes. Hein. 18 minutes, yes. Ça promet des résultats en 10 jours, moi j'ai pas vu de différence. Je pense pareil, qu'il faut plus de temps. Je vois pas. Enfin, les taches, c'est pas pour le mélasma ou quoi. Mon mélasma n'est pas ressorti du tout cet été parce que j'avais une casquette en permanence, donc mon front était protégé. En revanche, sur les pommettes, il en est ressorti un petit peu, puis j'ai des taches là de chaque côté qui sont des vraies taches de soleil, qui ne font pas partie du mélasma, donc qui sont censées être traitées par ce genre de produit, parce que le mélasma, rien ne peut le traiter. Mais ce genre de produit peut le traiter. J'ai pas vraiment l'impression. L'uniformité du teint, moi j'ai jamais l'impression que mon teint est uniforme. Après, est-ce que je suis objective sur moi-même? Je ne sais pas. On se voit jamais comme on est. Si on avait fait des mesures scientifiques, on aurait peut-être trouvé une différence. C'est comme avec l'autre, hein. C'est comme avec celui-là. C'est voilà, c'est de l'auto, c'est comme on appelle ça les tests d'autosatisfaction. Soi-même, c'est très difficile d'évaluer si un truc, enfin, à moins que ce soit complètement spectaculaire, c'est vachement difficile d'évaluer si un truc fait une différence ou pas, surtout pour des produits de ce genre qui sont quand même si celui-là promet des résultats très rapides, quand même, il faut vraiment du temps pour que ça agisse, quoi. Néanmoins, j'aimerais bien, il est très agréable à utiliser, il est très crémeux, celui-là est beaucoup plus liquide,
Il est très crémeux, je suis couverte de poussière. Et il est assez agréable à utiliser. Éventuellement, je continuerai bien pour voir sur le long terme ce qu'il donne. Voilà. Ensuite, une bouteille. Yahoo ! Une bouteille de dissolvant Mavala. Forcément, il n'y en a qu'une ou il y en a deux ? Sache quoi, hein, que je ne me ridiculise pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des tas de... Il y a des tas de couvercles, de tas de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Bref, donc toujours le dissolvant Mavala bleu que j'adore et que j'utilise depuis je ne sais pas combien de temps et dont j'ai 14 en backup dans mon placard parce que chaque fois que je vais chez Monoprix, comme j'ai déjà dit, j'en achète deux en me disant je vais en prendre deux, comme ça c'est pratique, j'en aurai. Puis je rentre chez moi, je suis là, il y en avait déjà 4 ans qui attendaient leur tour. Donc je ne risque pas de manquer de dissolvant. Hein. Voilà, c'est déjà ça, hein. Écoutez, on ne peut pas tout avoir. Bref, donc voilà, moi c'est mon préféré. Enfin, c'est mon préféré, c'est bon. Enfin, de toute façon, c'est du dissolvant, quoi. Il marche bien, je sais pas s'il m'abîme pas particulièrement les ongles, cela dit, moi je me lave dès que j'enlève, enfin, dès que j'ai fini de dissolver mes ongles, dès que j'ai fini de dissoudre mon vernis à ongles, fais un effort, Hélène, c'est pas parce qu'on est au mois d'août qu'il faut pas parler français. Dès que j'ai fini de dissoudre mon vernis à ongles, je me lave les mains très soigneusement avec du savon et je frotte bien mon tour d'ongles et tout, pour pas que ça me flingue les ongles et les cuticules. Donc voilà. Mais voilà, c'est Mavala, c'est une bonne marque, etc. Ça coûte pas cher, c'est pratique. Blink. J'ai fini un truc pour les mains, un nettoyant pour les mains, La Source de Crabtree & Evelyn. Pareil, comme tous les, enfin tous ceux que j'ai essayé en tout cas, tous les hand wash, tous les savons liquides pour les mains Crabtree & Evelyn que j'ai essayé jusqu'ici, il est pas du tout desséchant. En revanche, je suis moins fan de l'odeur de celui-là qui est un tout petit peu... je sais pas, c'est un tout petit, pas une odeur marine, mais bon, c'est une odeur qui me parle moins. Bon après, voilà, c'est pas grave, hein, ça reste pas sur les mains, c'est pas un problème, ça sent pas la vanille ou la noix de coco, quoi. C'est pas grave, c'est une odeur fraîche. Hein. Mais je préférais celui au citron, ou à je sais plus quoi, citron je crois, il me semble, celui d'avant que j'avais. Très bien, pas du tout desséchant, très bon produit, puis la bouteille est jolie, hein, c'est sur un bord de lavabo, c'est sûr, c'est plus joli que ça. Évidemment, si vous êtes attaché à ce genre de choses, moi ça dépend, c'est par période. Des fois je m'en fous complètement et des fois je suis là, oh mon dieu, comme c'est plus joli comme ça, et je fais des photos et tout. Voilà, donc est-ce que j'en réutiliserai la source, pas celui qui sent la source, mais plutôt celui au citron. Mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini une taille voyage de lait corporel au cold cream d'Aven, qui est donc la version transportable de ce qui existe sous ce format-là, qui est un de mes laits corporels préférés au monde depuis des années. Je ne sais plus du tout quand je l'ai fini, ça doit faire un moment, enfin ça devait être au début des 2 mois vu qu'on est vers le fond du sac. Très bien, voilà, j'adore l'odeur de la gamme Cold Cream, très bon produit, hyper émollient, hyper, enfin ça fait la peau toute souple et tout, enfin j'adore ce produit, donc c'est pareil, j'en ai 12 litres en backup dans mon armoire magique. Non, c'est pas vrai, d'abord c'est pas une armoire, c'est un tout petit placard tout moche dans un coin, et je n'en ai pas 12 litres. J'en ai peut-être quand même 400 ou 800 ml d'avance. Impossible. Donc voilà, grand favori de tous les temps. Tiens, c'est marrant. Je l'ai mise dans les trucs finis. Je fais des trucs, je ne me souviens même plus. Je l'ai mise dans les trucs finis alors qu'elle n'est pas finie. Vous savez pourquoi? Parce que Caroline Irons a dit qu'il ne fallait pas mettre des lotions avec de l'alcool sur sa peau. Donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ça. Donc je l'ai mise dans les produits terminés, non terminés. Donc je ne la finirai pas. Je suis vachement triste. Oui, bon, j'en rajoute un peu, mais... Je sais que l'alcool pour les peaux, c'est le deuxième ingrédient en plus, donc ça veut dire qu'il y en a pas mal. C'est vrai que ça sent, quand on ouvre, hein, c'est... Oh, ça sent l'alcool, c'est sûr. Puis, ouais, pour les peaux grasses, ça va les agresser et leur faire produire plus de gras, j'imagine. J'en sais rien, j'ai pas la peau grasse, mais pour les peaux plus sèches, ça va les dessécher. C'est vrai que c'est pas idéal dans une lotion, quoi. Dans les crèmes, il y en a souvent. Comme c'est un agent de texture, en fait, c'est pour... que la texture soit plus agréable pour faire tenir certains trucs ensemble. Là, c'est pas complètement justifié, c'est vrai. Donc j'ai d'autres lotions qui sont sans alcool, donc voilà. Donc j'en avais acheté 2 en backup à Montréal, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais les donner à quelqu'un qui aime ce produit. Voilà, et celle-ci, je la finirai pas. C'est du gâchis, je sais, mais bon. Parfois, la santé de sa peau est plus importante que garder des produits. J'ai fini une huile démaquillante L'Occitane, je l'adore. Je pense que je serais assez tentée de dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché en ce moment, dans celle que je connais en tout cas. Elle vaut, combien elle vaut, 25 euros ou 19 euros, je sais plus. Bon, autour de 20 euros, ce qui n'est pas non plus la mer à boire pour un truc qui dure quand même, je ne sais pas combien de temps, parce que je ne me souviens plus, mais enfin un certain temps.
Elle est super agréable, elle a une viscosité vraiment, enfin, elle a de la bonne épaisseur, elle démaquille parfaitement, elle pique pas du tout les yeux, elle s'émulsionne très bien, elle laisse aucun résidu, tout ça. Elle est très réussie. Elle a une toute petite odeur, l'odeur du karité, l'occitane que j'adore, enfin, voilà. Et donc, bah oui, j'en ai en backup dans mon placard, et quand j'aurai fini ma Boschia, je vais hésiter entre celle-ci, la Shiseido, ou peut-être une un peu bizarre qui vient d'ailleurs, et que, voilà. Vraiment, je l'adore, très très bon produit. Bon sang, il y a un nombre de trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses cette fois. J'ai fini, alors ça je l'avais acheté au rayon, vous savez, au rayon truc pour l'avion de Sephora, c'est terrible, vous êtes là dans la queue à la caisse, et alors il y a plein de petits machins en mini taille partout, genre des mascaras, mais de tout, des toutes petites poudres, c'est absolument, c'est la maison de Barbie quoi, c'est extraordinaire. Et donc j'avais acheté la crème intensive, soin hydratant intense pour les mains d'Elisabeth Arden, sachant que je déteste la crème de 8 heures hein, quand même, même celle qui n'est pas parfumée, parce que pour moi elle sent quand même quelque chose, mais je me suis dit, ah je vais essayer, ça a l'air amusant. Elle est très agréable, cela dit, pas forcément aussi, bah pas aussi bien que la crème au chanvre, hein, ça forcément, et quand même une odeur un peu bizarre quoi, ça sent un peu la crème de 8 heures, donc si vous adorez ça, bah très bien, mais moi je l'ai fini sur les pieds en fait, voilà, et donc je n'en réutiliserai pas, mais sur les pieds elle était bien, elle a bien fait le boulot, simplement c'est pas mon type d'odeur. Je vais sortir la télécommande du tas de produits, sinon je ne la retrouverai plus jamais. Qu'est-ce qu'on a ici? Couvert de poussière, un déo Schmidt, c'est marrant parce que je suis quasiment à la fin de mon deuxième pot. Donc ça c'est intéressant, c'était mon premier pot, je vais bientôt finir mon deuxième pot, ça me permet de compter les pots en même temps, et de voir leur durée. Enfin de toute façon le deuxième pot, j'ai noté quand j'avais commencé à l'utiliser, je crois que c'était le 20 mai. J'ai un carnet où je note les dates de départ de produit, parce que je pense pas toujours à le noter au marqueur dessus. Bref, donc, le Déo Schmidt, moi je prends le sans odeur, parce que je pense que les huiles essentielles, mes aisselles ne les supportent pas, et ça je fais des réactions, pas allergiques, mais... Pardon. Mais des réactions d'irritation, donc je suis obligée de mettre du cicalfate, après, enfin bon, c'est un peu chiant à gérer, mais alors le sans odeur, il est parfait, à condition que je tapote. C'est-à-dire, j'en mets genre une noisette dans ma main, je fais ça, bien, et non, je ne fais pas le geste à l'écran, c'est pas possible. Et ensuite, je tapote, comme ça. J'étale pas, parce que sinon, les grains de bicarbonate, ça vous râpe la peau. Voilà. Donc j'en suis très satisfaite, c'est déo là, lui et le saupoil là je ne peux plus l'utiliser, comme vous savez, because les huiles essentielles, irritation, gna gna, mais ces déo là sont les plus efficaces de la terre. Voilà, donc j'adore, le mien est presque fini, il faut que j'en recommande pour pas me trouver en rade et devoir utiliser un machin traditionnel qui fait que à 9h30 on pue. Ah bah je savais bien qu'il y avait un tube de crème au chanvre. My baby. Voilà, il n'y a rien à dire. À part tout ce que j'ai dit avant, hein. J'en ai parlé à propos de toutes les crèmes pour les mains que j'ai évoquées avant, je vous ai raconté les histoires des 3 ans, de Raphaël, de la terrasse de café, tout ça. Ma crème pour les mains préférée. J'en mets aussi sur mes pieds, hein, d'ailleurs. Là, j'en ai ouvert un tube, hier soir, donc, et oui, je fais mes pieds avec, parce que, voilà, c'est plus simple. J'adore. Hyper riche, hyper efficace, j'adore. J'en ai, pareil, j'ai du backup. J'ai du backup, n'ayez pas peur. Par contre, il faudrait que j'essaye de l'utiliser avec l'espèce de clé à tube Crabtree & Evelyn, parce que là, arrivé à ce genre de résultat, je sais qu'il en reste dedans et que ça m'énerve. Et puis en plus, bon, j'aimerais arriver à un résultat un peu net. Mon côté psychorigide serait content. La petite crème! La petite crème aux plantes médicinales de Véleda, que l'une de vous, Elena, je me souviens, c'est toi, Elena, qui me l'a recommandée, qui est vachement bien. Alors moi, évidemment, j'ai trouvé qu'un tube de 30 ml. 30 ml, donc j'étais là, donc les gars, c'est pas très grand et c'est un peu cher quoi. Je sais maintenant, grâce à plusieurs d'entre vous, que ça existe en 75 ml et j'ai bien l'intention d'en racheter parce que je l'avais acheté pour mes pieds, soin réparateur des peaux agressées ou exposées. C'est un truc qui sert à tout quoi, visiblement, un peu. Moi je l'avais utilisé pour mes pieds, l'odeur était hyper agréable, j'hésite un peu à dévisser le tube parce qu'il y a tellement de poussière que c'est un peu l'enfer. Bah oui, ça sent les plantes médicinales quoi, comme son nom l'indique. J'adore, c'est très aromatique, j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Elle était très bien pour les pieds, il me semble avoir essayé pour les mains aussi, elle était très bien aussi. Elle laissait pas de film gras notamment, enfin, rien à voir avec la crème au chanvre, je veux dire, qui est quand même le summum du consistant. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elle la mettait sur leur visage l'hiver quand il faisait froid. Ça peut visiblement vraiment servir à plein de trucs, et elle est très agréable à utiliser, donc sans aucun doute j'en rachèterai. Merci encore Elena. J'ai fini un baume à lèvres Bobbi Brown. J'ai déjà nettoyé la boîte pour la garder.
Parce que vous savez, je garde les boîtes maintenant. Ça sert à plein de trucs. J'avais écrit un article dessus où j'expliquais tout ce que je mettais dedans. Des médicaments, du bicarbonate de soude, enfin plein de machins. Très pratique pour emmener des médicaments en voyage, par exemple, ou un petit peu de déo en voyage. Un petit peu de déo comme ça. Attendez, où est-ce qu'il est ? Si on n'a pas envie de transporter le gros pot en verre, on en met un petit peu là-dedans, et super pratique. Donc voilà, maintenant je les garde. Et c'est pareil, j'en ai entamé un nouveau, de toute façon c'est ce que j'ai toujours sur mon bureau, c'est mon baume à lèvres de maison de tout le temps. Je l'ai commencé le 1er août. Pareil, j'ai noté la date de départ pour savoir combien de temps ça dure. Donc quand je finirai le prochain, parce que ça je ne sais pas, quand je finirai le prochain, je vous dirai combien de temps ça m'a duré. Sachant que ça, voilà, ça reste un des baumes à lèvres les plus efficaces du monde, sûrement. Je mets la boîte de côté, c'est parce qu'elle ne part pas au recyclage. Ah bah tiens, je me disais que 3 c'était pas beaucoup. Ben non, il y en avait 4. 4 tubes en 13 jours. Vous savez que normalement, il faut mettre déjà, il faut une cuillère à café ou une cuillère à thé, enfin j'ai pas une grosse cuillère à café pour visage et cou. Pour le corps, il faut genre 2 cuillères à soupe par jambe, enfin il faut des quantités. Si vous voulez être protégé au niveau qui est indiqué sur le tube, c'est-à-dire au même niveau que les tests de labo, sachant qu'ils mettent 2 mg de crème par centimètre carré de peau exposée, enfin testée, c'est beaucoup, pour savoir s'ils ont un indice 50, ils ont mis donc cette quantité de crème. Si vous voulez être protégé à ce niveau-là, il faut en mettre énormément. Voilà pourquoi j'en ai fini tellement, j'en mets vraiment énormément. Sinon, si vous en mettez 2 fois moins, bah vous avez une protection équivalente à 25 au lieu de 50. C'est pas mal, hein, c'est mieux que rien, mais voilà, sachez-le quoi. Voilà, je me disais bien que 3 c'était pas beaucoup. There. Ah bah j'ai un autre petit flacon d'eau thermale. Aven, voilà, hein, je vais pas vous refaire le speech. J'ai aussi un flacon d'eau cellulaire Estéderme, de spray d'eau cellulaire, qui est donc une eau qui est très très proche. Qu'est-ce que ça dit ? C'est une eau cellulaire, c'est-à-dire c'est très proche de la composition cellulaire de la peau. Donc mieux que tout ce qui, d'autres, enfin, qui existe, d'après Estéderme. Donc je l'ai utilisé exactement de la même façon que les autres, hein, après le nettoyage et avant les soins. Éventuellement un peu si j'ai chaud, ce qu'il en reste. C'est agréable, il en reste. J'ai un petit peu chaud. Voilà, parfois un peu pendant la journée, mais généralement j'oublie parce qu'ils sont dans la salle de bain et voilà. J'ai vu aucune différence avec les autres, hein, bien sûr, mais je sais que c'est un très bon produit et qu'il y a des gens qui ne jurent que par ça. Et maintenant, je suis toute brillante, c'est ça ? Ben oui, évidemment, je suis pleine de gouttes d'eau. Espèce de gourde. Voilà, non, je n'en rachèterai pas parce que ça coûte très cher et je ne vois pas de différence avec le reste, donc je préfère des eaux plus classiques et moins chères. Mais c'est, voilà, j'ai rien à dire contre, hein, c'est juste que je vois pas de différence et c'est très cher, donc... qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, mais je sais ce que c'est tout ça, c'est les trucs des crèmes solaires. Voilà, j'ai fini un contour des yeux Sérénage dont je vous ai parlé sur le blog d'Aven, qui est donc une nouveauté, bourré d'acide hyaluronique, très hydratant, gna gna, machin, je sais pas quoi. C'est mon contour des yeux du matin, celui que j'utilise en ce moment. Pareil, j'ai du backup, je l'adore, je vous en ai déjà parlé, je le trouve voilà, baume regard revitalisant. Il est très hydratant, quoi. Il est plein d'acide hyaluronique de plein de tailles différentes pour pénétrer à différents niveaux de la peau. Donc voilà, très 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 étudié, machin, etc. Et c'est vraiment un baume. Est-ce que j'avais remarqué qu'il me faisait gonfler les yeux si j'en mettais le soir ? Il me semble que oui. Bon, pas monstrueusement, mais il me semble que comme c'est très riche, je le mets le matin. Le soir, je mets un autre truc, un peu moins riche, pour éviter d'avoir les yeux gonflés au réveil, vu que de toute façon j'ai les yeux gonflés au réveil. Parce que je mange trop salé, parce que j'ai une mauvaise circulation de la lymphe, parce que je mange trop salé, pas seulement le soir, tout le temps, je mange trop salé tout le temps, parce que j'adore le sel, donc voilà. Donc ça joue sur le gonflement des yeux, bref, j'adore ce truc, évidemment je réutiliserai, c'est ce que je fais en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bébé exfoliant corps au grapefruit, qu'est-ce que ça veut dire déjà grapefruit ? Pamplemousse ? Il me semble, pourtant ça sent pas du tout le pamplemousse. Attendez que je vérifie, j'ai un doute affreux. Non, ça ne sent pas le pamplemousse, ça sent un truc un peu sucraillé. Kiehl's, voilà, donc j'avais eu ça, une taille voyage, du coup je l'ai utilisé, hein, comme quand je mets un peu de... Quand je mets de l'autobronzant, je fais des gommages de temps en temps pour que ce soit plus harmonieux.
Il est très bien. Il gratte bien comme j'aime et tout. L'odeur est un tout petit peu sucrée pour moi. Donc non, je réutiliserai pas, mais voilà. Je vous signale, il est très bien. Il est tout à fait efficace. Kills, quoi. There. J'ai fini. Ouh, du maquillage, c'est pas souvent. J'ai fini un bottom lash mascara clinique noir. C'est pour ça que j'utilise du brun noir en ce moment. Parce que je voulais voir la différence. J'en ai acheté à Montréal. Il n'est pas vendu sur le site de Sephora, mais il est vendu sur le site de Clinique, le brun noir. En revanche, le noir est vendu chez Sephora. Et donc voilà, c'est ce que je mets toujours sur mes cils du bas. Mais ça fait, je ne sais pas, le combienième tube que c'est ce lieu. Ça ne s'arrange pas. Bref, ça fait beaucoup de tubes. Donc voilà, donc sur les cils du bas, j'en mets vraiment juste aux racines, comme vous savez. Ça bouge pas, ça smudge pas. Ça... Pour les gens qui ont des problèmes de mascara qui se déplace, il n'est pas waterproof et pourtant, voilà, il tient très bien. Et comme sa brosse est minuscule, c'est très bien pour cette petite zone. Est-ce que j'en réutiliserai ? Bien sûr, toute ma vie ! Jusque dans la tombe, madame. J'ai fini, alors ça ne saute pas aux yeux, mais c'est un tube de Cicalfate. Ah si, on le voit ici, regardez. On voit écrit Cicalfate. Focus, please. Thank you. Voilà, tube de Cicalfate. J'en finis un à peu près à chaque fois. Voilà, c'est mon anti-bobo, anti-irritation. Typiquement, si j'ai des irritations à cause du déo, ben, j'en mets la nuit. Pas mal. Pouf. Pas non plus une couche monstrueuse, hein. Faut pas que ce soit complètement occlusif, mais voilà, c'est ma crème anti-bobo qui sert à tout. Un grand classique, j'en ai un tube en cours avec la clé à tube de... Voilà, vous voyez, on voit le trou de la clé à tube de Crabtree & Devlin, très très pratique. Donc voilà, donc, ça j'en ai toujours en backup, toujours sur moi, j'en emporte quand je pars en vacances. Ça sert pour plein de trucs, peau sensible et irritée, c'est traditionnellement un truc, enfin traditionnellement, ça n'a pas été inventé pour ça je crois, mais c'est pour mettre sur les fesses des nourrissons quand ils ont les fesses rouges, ce genre de truc, vous voyez, ça sert à plein de trucs. Voilà, et enfin, alors, pourquoi j'en ai deux? Bon, parce que j'ai dû essayer, celui-là j'ai dû l'essayer je sais plus où. Probablement quand je suis partie à Positano, ça devait être ce que j'ai emporté. Et du coup, je l'ai fini après, parce qu'une fois qu'il était ouvert, je l'ai fini. Mais celui-ci qui fait la même contenance, à savoir, attendez, c'est très important, il faut que je sache. Normalement ça fait 15 millilitres, voilà. Voilà, celui qui est vendu à la caisse avec les trucs pour avion, là, chez Sephora, 15 ml, vendu 6 euros. Ah, j'ai une crampe dans la jambe gauche, je ne sens plus mes orteils. J'ai des fourmis, c'est atroce. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai emporté en vacances. J'ai continué à l'utiliser après, évidemment, pour le finir, sachant que j'en mets le matin sur tout le visage, contour des yeux compris, cou et décolleté. Et bien, il m'a duré un mois. Donc ce tout petit truc de 15 ml. Donc voilà, je voulais vous le dire, c'est bon à savoir. On peut partir un mois avec ça, si on en met que le matin. Si vous en mettez matin et soir, prenez-en deux. Mais ça, je sais pas pourquoi il a la même gueule. Parce que je l'ai acheté à Montréal. Tout s'explique. C'est pas le même packaging, comme c'est drôle. Voilà. Donc, un mois, quoi. Pas mal. Parce qu'on en met tellement peu. C'est-à-dire que quand j'utilise, maintenant j'utilise mon flacon pompe, je mets juste deux pressions. Et ça suffit largement. Ça s'étale très très bien. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai fini. Si vous voyez l'état du parquet à côté de moi, c'est assez impressionnant. Non, je ne vais pas vous montrer parce que je ne peux pas déplacer la caméra parce que j'ai un nouveau trépied qui ne se casse pas la gueule mais qui par ailleurs est un peu compliqué à régler. Je n'ai toujours pas compris, c'est à moitié réglé à l'envers en fait. Donc j'ai bidouillé, c'est du bricolage artisanal pour que ça ait l'air normal mais en fait la caméra ne devrait pas du tout être dans cette position-là, évidemment. Donc je vais m'arrêter là. Hein. Allez, combien ? 39 minutes pour un dimanche, pas mal, hein? Pas mal. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.